Chez nos voisins du Suriname, dans la commune de Mungo, vient d'ouvrir le centre culturel Tembe Art Studio. Créé sous la direction de Marcel Pinas, plasticien bien connu pour ses installations, le Tembe Art Studio s'axe sur les cultures marones, qu'elles soient traditionnelles ou contemporaines. The Tembe Art Studio is an initiative of Kibi Foundation, and in Tembe Art Studio we have a lot of activities working with the community because we think it's very important. I am from the community. I was born here, live here, and after the Civil War, a lot of problems. So with art and culture, we want to try to change the way people think. With art and culture, we want to bring development. So it's like we want to give people tools to be creative so that they can live from who they are. So that's why we have Tembe Art Studio. So we have workshop, we have music, we have theater, we have painting, drawing, visual art, music, we have dance. Now we have guys who want to film, so it's like we create possibility. And the organization, what we do is like we try to make link. We look at people who know, who have experience, and then we look at the need of the community, then we try to make the connection. Installé dans l'ancien hôpital de Mungo, l'inauguration du centre culturel s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités. L'accent est mis sur le rôle de la culture dans la conservation du patrimoine local, mais également sur son rôle en termes de cohésion sociale, de développement économique et touristique. Dans cette optique, une guest house et un restaurant ont vu le jour. Parmi les invités, quelques opérateurs de l'Ouest guyanais ont fait le déplacement, attentifs à la dynamique que développe Marcel Pinas depuis bientôt 10 ans. Now we are really on the program. We talk a lot with Patrick Lacaze. Now we will do a project with we do also with KS&Co, and with the, now we are talking with the film group to do exchange, because we have some guys here who can do film, and because of the research center, this guy can help us to document a lot of cultural things, you know, so that we can have the archive, you know, and that's very important. So it's like now my feeling now, because we are in Mungo, if you look at Paramaribo, what is happening, it's like now we are leaning more to French Guiana, because more possibility. We have a lot of things in common in French Guiana with the French organization. Donc là, on assiste à une étape supplémentaire sur la magnifique opération qu'est en train de mener Pinas Marcel depuis une dizaine d'années maintenant et bien avant. Donc une étape supplémentaire avec des espaces en plus, avec des partenaires et des personnes qui viennent se rajouter à toute l'équipe très internationale en plus, puisqu'on était quelques-uns quand même arrivant de Guyane, qui constitue la grosse équipe de travail, de manœuvre de Marcel, à travers Kibi Wikoni et à travers son association, son entreprise, on va dire. La Guyane, c'est loin d'être le Suriname, ça n'a rien à voir, mais nos histoires, nos projets se rejoignent, se ressemblent. Il y a beaucoup à voir dans des conditions très différentes. Et on se retrouve à travers ces champs, ces contextes différents, hein, politiques, sociaux, économiques. Et donc l'idée là, c'est effectivement que nous on puisse venir exposer ici, se manifester ici, en laissant des œuvres d'ailleurs dans les galeries qui deviennent permanentes, et donc des résidences et des échanges comme ça, de création artistique. Mungo, plus connu pour son industrie du bois et sa bauxite, devient avec le Tembe Art Studio une destination touristique à 30 minutes d'Albina.